Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Oui, celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux chapitre 10, verset 23, amis auditeurs de la prière du matin, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous comptons matin et nous bâillons de gloire pour grâce que le fait nous. Et pour nouvelle semaine, ça, il permet que nous capables ensemble pour la prière du matin. Donc chaque matin, c'est un rendez-vous que nous gagnons depuis le fait l'heure ça, 5 heures du matin pour nous ensemble pour la prière, quel que soit côté. Pas bon Dieu gloire, parce que bon Dieu faut grâce, soit vivre toujours. Quel que soit problème ou ta gagné, toujours connaît ou doué bon Dieu gloire parce que ou vivre. Même si ou t'as en prison, connaît que ou doué bay bon Dieu gloire parce que ou vivre. Gen moun qui pas là encore. Même si ou t'es malade, mais qu'on en doit bien bon Dieu gloire parce que ou a respiré toujours. Gen moun qui pas là encore. Gen moun qui déjà mouri. Gen moun c'est de fin yo dit pour yo. Mais ou même Seigneur faut grâce ou là ou a vivre ou a respirer. C'est pour bénir non li. C'est pour dire li merci. Merci parce que gen la vie. Merci parce que dans mauvais temps yo, dans mauvais moment yo, bon Dieu était campé avec eux. Par les gloires matin, hein? Balancez mes mains devant bon Dieu pour remercier lui. Dis merci pour petit tout, merci pour petit petit tout, merci pour ça déjà fait pour vous, et merci pour ça pour continuer fait. Merci pour porte qui va l'ouvrir pour vous pendant semaine ça. Merci pour ses cœurs il va craser pour famille. Dis merci par avance. Dis merci par avance. Dis merci parce que il va faire de grandes choses pour la vie. Yo. Oui, ou mettre quoi dans bon Dieu. Ou mettre fait bon Dieu confiance. Chaque matin on levé, dis merci pour ça le fait déjà pour vous. Et anticiper. Oui, bali des remerciements par anticipation. Dis merci par avance parce que libre le fait de grandes choses pour vous. C'est ça que fait matin, hein? Amis auditeurs de la prière du matin à Hébreux, chapitre 10. Nous lisons verset 23, côté que nous, ouais, la parole de Dieu dit nous, retenons fermement la profession de notre espérance. Faut qu'on toujours qu'on ait espérance au nom de Dieu, parce que c'est là qui fait promesse, là, celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Oui, bon Dieu, pas un homme pour le bail menti, ni un petit homme pour lui repentir de saleté dit. Nous besoin songer ça, amis auditeurs de la prière du matin. Nombre chapitre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir. Pas jamais oublié ça. Bon Dieu, pas un homme pour le bail menti, ni pour le repentir de saleté dit. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Oui, bon Dieu, il n'est pas un homme pour le bail menti. Nous devons faire confiance. Merci à tous les amis qui sont avec nous matin, qui, peut-être pour la première fois, montent sur ligne de prière pour prier ensemble avec nous. Ligne de prière, ça. Peut-être c'est à la radio, ou écoutez nous, ou bien écoutez nous sur l'autre plateforme. Eh bien, c'est chaque matin, rendez-vous ça sur YouTube à 5h du matin, donc heure d'Haïti. Nous ensemble sur YouTube pour nous la prière, pour nous et remettre le Seigneur journée à frères et sœurs. Notre channel là, c'est Frère Bigot Luxonnaire. Frère Bigot Luxonnaire. Monsieur pasteur de l'Église de Dieu sanctifié en Haïti. Nous dit bon Dieu merci pour toute route li a fait, pour toute ça li déjà fait pour nous et pour ça li pral continuer fait. Et chaque membre l'église là, et même si vous pouvez venir physiquement, vous connaissez les membres de l'église, et nous travaillons pour suivre culte d'adoration nous le dimanche.
Donc n'a fait un pile préparatif et penser avant et affiner une possibilité pour adorer avec nous le dimanche matin. Oh bien-aimés frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin. Notre texte à nos matins en Hébreu chapitre 10 là, bon monde qui besoin parole ça oui matin. Bon monde qui besoin parole ça matin et rappelez au lit. Peut-être ou te connais déjà matin ont besoin songer parce que c'est un vrai texte ça pour Hébreu chapitre 10 verset 23. Qu'embe femme na espérance ou na bon Dieu parce que c'est là qui fait promesse là, les fidèles même si ça prend du temps mais les fidèles frères et sœurs. Les fidèles. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dans Hébreu chapitre 10 verset 23, nous lit comment que la parole de Dieu fait nous connaître nous doué qu'embe fermement la profession de notre espérance. Espérance que nous gagne bon Dieu, c'est pour nous qu'embe parce que bon Dieu qui fait promesse là, les fidèles, pas rien, les promettent nous pour le pas accomplir. Maintenant, comment nous devons nous comporter? Comment nous devons prier lorsque nous attendons l'accomplissement de la promesse de Dieu? L'enaptant accomplissement promesse de bon Dieu, comment pour nous comporter nous? Comment pour nous la prière? Parce que grand pile monde, sans y pas rendre compte, yo qu'on retarder l'accomplissement de la promesse de Dieu parce que attitude yo pas bon devant bon Dieu. Lors de l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu, ou doit toujours réjouir ou la caille Seigneur. Ou doit toujours être en paix parce que quel que soit cheminement bon Dieu va faire, l'a mener vers l'accomplissement de la promesse. Souvent même avec vous, nous qu'on gagne des idées préconçues, pensant que ça que dans tête nous c'est ça bon Dieu va le faire, c'est comme ça bon Dieu va le faire, c'est pas un chemin ça l'Éternel a passé pour lui capable accomplir promesse li dans la vie nous. Non. Bon Dieu, il pas un homme même Jacques, non. Et la foi, frères et sœurs, la foi, il fait des miracles. La foi, il fait des choses qui dépassent toute logique. Donc, les bon Dieu fait nous une promesse, puis quand nous gain idée préconçue pour nous dire qu'on ça que c'est comme ça bon Dieu va le faire. Donc le Seigneur, il va prendre tel ou tel chemin pour lui accomplir promesse li. Non. Personne même pas connaît qui côté bon Dieu a passé, pas qui chemin, qui le, il décide d'accomplir promesse li. Ça c'est dans souveraineté li. Mais avant l'accomplissement de la promesse de Dieu, faut que nous toujours songer et nous toujours parler de ça avec vous, dans prière du matin. Il y a toujours un temps d'épreuve, un temps pendant lequel, frères et sœurs, on voit s'accomplir le contraire de la promesse qui nous a été faite. C'est le contraire qu'on vit. Et ce fut le cas pour Abraham, serviteur de Dieu, à qui le Seigneur t'a adressé un appel pour le quitter patrie, pour le quitter famille, et pour le faire de lui père de la grande multitude, pour le faire de lui père d'une grande nation. Et Abraham t'a obéi à la voix de l'Éternel. Il t'a quitté patrie, il t'a quitté, eh bien, toute saleté gagnée, et les suivent le Seigneur sur la voie inconnue. Il était d'accord, répond à l'appel pour aller vers l'inconnu. Dans Genèse chapitre 12, frères et sœurs, le Seigneur fait et appelle là, mais un appel accompagné d'une promesse. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Quelle promesse, frères et sœurs! Quelle promesse avait été faite à Abraham par le Seigneur? Je ferai de toi, alléluia, une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Mais vous savez, avant l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie, il y a toujours un temps d'épreuve. Il y a toujours un temps pendant lequel le Seigneur montre nous le contraire de ce que nous avons espéré dans l'IA. Et voilà que Abraham, il quitte patrie,
li manifeste la foi parce que Abraham pralé vers l'inconnu. Donc li poukou kon kote l pralé, mais celui qui a fait la promesse est fidèle. Li obéi l'allé, frères et sœurs, l'allé. Mais poukou connaît qui kote l pralé exactement. Et pendant que Abraham pralé vers l'accomplissement de la promesse, frères et sœurs, arrivé au verset 10, la parole de Dieu fait nous connaître que gon famine qui frappait Abraham. Frères et sœurs, gen raison pour Abraham ta cassé tête tourner. Parce que on monde pas qu'a dit pour le faire de haut source de bénédiction et puis voilà qu'au grand goût là, voilà que et ou gen problème ou gen difficulté là et mon nan li fait silence. Gen raison pour Abraham ta cassé tête tourner. Mais Abraham songe si là qui fait promesse là. Même s'il pourrait avoir trop expérience avec lui, mais il mettait la foi dans lui. La parole de Dieu dit non, toujours Genèse chapitre 12, frères et sœurs, au verset 10. Il eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Pour qui Abraham descend en Égypte? Pour le courir pour famine. Sans doute c'est parce que li la prière, sans doute parce que bon Dieu pas de bali yon alternative. Bon Dieu pas dit ça pour le faire. Donc sans doute le Seigneur avait gardé le silence. Quelle situation que nous la donné, bon Dieu a gardé qui action que n'a posé. Est-ce que vraiment vrai nous connaît que li là pour nous dans les mauvais moments? Dans nos temps de maladie, dans nos temps d'adversité, dans nos temps d'épreuve, dans nos jours d'épreuve, dans nos jours de difficulté, le Seigneur garde le silence pour lui voir qui s'en a fait. Et la décision d'aller en Égypte, frères et sœurs, pour y séjourner, c'était pas une bonne décision. Abraham avait pris une mauvaise décision. Oui, il prend une mauvaise décision parce que décision ça pourrait le mettre dans une situation côté que l'obligé bah mentir. Donc c'était pas le plan de Dieu. Mais dans la famine, le Seigneur gardait le silence. Quand il y a un problème ou l'endroit, bon Dieu pas parler. Bon Dieu, ouais, oh. Bon Dieu connaît à souffrir. Bon Dieu connaît que j'ai inquiété. Bon Dieu connaît dans quelle situation qu'on retrouvait, oh. Mais il gardait le silence. Il fait silence parce qu'il connaît que, frères et sœurs, quel que soit ça que t'as vini pour poto aller, elle pas qu'à poto aller parce que une promesse qui doit accomplir sur la vie, oh. Oh, même si que yo t'a dit ou font maladie cap tué ou pas trop longtemps, mais pour mon Dieu c'est pas vrai parce que gon bagaille mon Dieu te promet tout poko accompli. Et gen moun frères et sœurs, c'est pas mourir pas ta mourir non, mais bon Dieu kembe l'envie toujours parce que faut loué accomplissement promesse là dans la vie ou pour humiliation prend. Oh non, faut que Zorel étende sa bon Dieu fait avec vous. C'est pour Zorel étende mais où bon Dieu fait avec vous. Et lui-même qui connaît l'a dit, c'est de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Même nos ennemis des fois bon Dieu papa yo doit pour yo mourir sans que yo pa wè accomplissement promesse là. Parce que y a monde qui tellement parle mal, y a monde qui tellement fort des bagailles dures dans la vie. Il y a des gens qui étaient tellement humiliés, ils ne peuvent pas mourir, même si elle est malade, même si elle a vieilli, ils ne peuvent pas mourir parce que faut qu'ils aient élévation bon Dieu dans la vie. Faut qu'ils aient route bon Dieu fait dans la vie. Là. Trop mauvais propos te dit, trop mauvais bagaille te prononcé sous. Je dis là, faut qu'ils aient le contraire de toute saleté espérée, ils te attendent de vous accomplir. C'est ça qui fait que ils ne peuvent pas mourir. Il y a un ennemi qui ne peut pas mourir parce que faut qu'ils aient que c'est l'Éternel qui est Dieu. Faut que ouais la prière nous yo servi bon Dieu nous hein, c'est pas en vain. Dans l'évangile là nous t'es rentré à dans le royaume de Dieu, servi bon Dieu, c'est pas en vain. Et bien Abraham frères et sœurs dans la famine, Abraham oh li ouais bagala dur li descend en Égypte frères et sœurs. Et qu'on a histoire c'est que il arrivé en Égypte, il obligé ba mentir pour dire que Sarah c'est sœur li parce que et mon yo capable tuer le pour prendre Sarah nan men li. S'il pas dit Sarah c'est seul, s'il dit Sarah c'est madame né, donc sans nul doute li passé au tap tuer lui. Mais qu'on est là nous fait erreur, bon Dieu toujours là pour le restaurer nous.
Bon Dieu toujours là pour lui bannou le bras. Lorsque bon Dieu lui fait silence, ça va lui dire que le pala, il est là, frères et sœurs. Et c'est là Abraham pral ouais que bon Dieu était là pour lui. Donc Abraham qui recevait une promesse, frères et sœurs, dans Genèse chapitre 12 verset 1er, pour que les capables source de bénédiction, et voilà que les connaît la famine. Les connaît la famine. Dans verset 10 là, Genèse chapitre 12 verset 10, les connaît la famine. Cela veut dire quoi, frères et sœurs? Les bon Dieu fait nos promesses, ça pas veut dire que nous pas connaît un temps d'épreuve avant l'accomplissement de la promesse. Ça pas veut dire nous pas pourrait le contraire de la promesse. Peut-être c'est ça on vivre dans vie ou là. Bon Dieu fait une promesse, mais on constate le contraire. Et c'est très dur lorsqu'on constate le contraire de la promesse qui vous a été faite. Mais un seul bagage où vous connaissez, c'est qu'il y a le cheminement de Dieu. Il y a la route de Dieu. Ah oui, il y a la voie insondable de l'Éternel pour l'accomplir la promesse. Le seul bagage où vous connaissez, celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc Abraham, frères et sœurs, il était vive le contraire de l'accomplissement de la promesse qui lui avait été faite. Mais on connaît Joseph aussi. Joseph, le Seigneur t'a fait une promesse pour que il soit capable un grand leader, il soit un grand homme. Le Seigneur montre ça dans un songe, parce que une promesse bon Dieu a fait nous, c'est dans un songe bon Dieu montre nous ça. Et un songe au fait pas dû oublier lui, parce que lui c'est livre la vie ou lui c'est livre la vie ou lui c'est résumé la vie ou on doit prendre courage à chaque fois songer songe ça à côté fait peut-être ça gagne 10 ans ou bien 25 ans ou bien 3 ans ou 4 ans ou 5 ans parce que bon Dieu les pral font bagarre pour nous lui toujours bon nous yon lui ban nous un petit exemple lui ban nous une petite lumière lui ban nous avant-goût. Donc il fait nous une promesse juste pour que nous pas décourager. Les moments difficiles lui a venu pour nous songer ça bon Dieu t'a dit non. Pour nous songer ça l'Éternel t'a montré non. Et que mon c'est ça besoin fait matin songer ça bon Dieu t'a dit. Songer promesse bon Dieu t'a fait. Songe ou t'a fait, rêve ou t'a fait, songer. Ça fait un rêve ou fait c'est pour écrire l'on côté. C'est pour écrire l'on côté parce que des moments pour aller traverser dans la vie où a besoin songer promesse bon Dieu t'a fait là. Peut-être c'était dans une prédication bon Dieu t'a fait une promesse. Peut-être c'était une prophétie qui t'a porté pour bon Dieu faire une promesse. C'est pour qu'aimer promesse là. Oh même si en pile année a passé qu'aimer promesse là car celui qui a fait la promesse est fidèle. Le Seigneur a t'a montré Joseph dans un songe que Joseph t'a parlé un grand homme. Un homme qui t'a pris une position élevée. Frères et sœurs, Joseph était très jeune à cette époque, il n'y a pas de comprendre. Genèse chapitre 37. La parole de Dieu fait nous connaître, frères et sœurs, à partir du verset 5. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Les promesses, bon Dieu fait. Les bagailles, bon Dieu dit, il prend le fait pour. Ou pas dit moun ça. Non, ou kebe a fond un cœur parce que moun a pas raï ou. L'homme tout naturellement, de pou pas dans même position avec, pas comprendre que le remè ou. Non. Parce que l'homme irrégénéré, il a toujours remè que ou dans même situation avec lui. Il doit comprendre que l'homme fait progrès, l'homme avance, l'homme prospérer, ça fait tout le monde plaisir. Non. C'est pas vrai. Jalousie l'homme. L'homme jaloux en pile. Dans travail koto hier ou pas konn valè moun ki jaloux de ou. Ou pas konn valè moun nan fami ou ki jaloux de ou. Sou ta tombe malade là, sou ta gen problème là et laisse ou ap wè tout moun ki t'a espéré ça pour. Donc toujours konnen ça, toujours konnen que les bon Dieu levé ou les bon Dieu fait route avec ou, les bon Dieu fait des séries de bagages extraordinaires dans la vie ou gen pile jaloux, gen pile moun ki jaloux de ou. Comprendre un pile monde par jalousie qui a parlé de vous qui a critiqué toujours connaît ça parce que faut être toujours dans la même situation avec yo vous comprendre faut que vous semblez à yo
surtout haïtien. Haïtien, la braille, tout simplement parce qu'on pas semblé avec lui. La braille, parce qu'on pas le même problème avec lui. La braille, tout simplement parce que peut-être, ou qu'on t'y beauté en plus lui. On comprend? Donc, faut ou même ou très, très prudent. Donc, c'est pas tout bagaille ou raconter mon. C'est pas tout bagaille ou dit mon, ou expliquer mon. Non. Joseph pas supposé expliquer frère Lio songe que l'y faire. Joseph te gagne 17 ans. La Bible dit nous dans Genèse chapitre 37. À partir du verset 1er, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisant paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Le frère Lio te raïl. Tout simplement parce que il était différent. Il était différent de monsieur Yo. Il était joué en privilège auprès de son père Jacob que l'autre frère n'a pas de jouer. Comprenez, parce que c'était dernier et Joseph, papa, il était gagné dans la vieillesse. Donc son petit que le remet en pile. Il essaye de geste, bon Dieu, va avoir un monde qui a braillé. Yo. Gen moun wè k ap pale gwo avèk ou, gen moun wè ki li gwo avèk ou, li yo ti jan du avèk ou, li pa janti avèk ou. Lò gade ou di men, sa ou gen ak moun nan, tout jan ou vire moun nan pou vive avèl ou pa kapab, tout jan chèche ou pa kapab. Sa k pase, se so ye ak bal problem. Se so ye ak, se pozisyon ko ye ak ki bal problem. C'est-à-dire, ou pas ta supposé dans position ça, c'est lik pour ta dans position, c'est petite lik pour ta dans position, c'est famille, c'est frère pas ou même. Mais l'Éternel, le Dieu tout-puissant, c'est lui qui fait grâce. Il fait grâce à mon que le veut. Alléluia. Gloire à Dieu. Joseph fait un songe, il raconte frère Lio. Et puis il a dit frère Lio comme ça, nous étions dans le verset 7. Genèse chapitre 37, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Donc l'Éternel tout dit Joseph que frère Lio gagnait pour y venir prosterner. Frère Lio gagnait pour y venir prosterner. Frère Lio dit comme ça dans verset 8 là, ses frères. Qui pourra le répondre, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Hein? Bon Dieu fait promesse là, frères et sœurs. L'Éternel fait promesse là. Monsieur dit Joseph, est-ce qu'on va venir régner sur nous? Est-ce qu'on va venir gouverner nous? Est-ce qu'on va venir gouverner nous? Et bon Dieu pourra le permettre que ça y a pas de vle ya. Ça yo pensé que pas ta privé a eh bien yo pral vivre li parce que yo pral vinn prosterné yo nan pied Joseph. Y a vinn prosterné donc promesse qui t'est faite à Joseph frères et sœurs, c'est ton promesse pour que Joseph capable un grand homme non position côté que frère yo va vinn mit à chenou devant lui. Le bon Dieu fait une promesse, frères et sœurs. Ça prend temps pour l'accomplir, mais l'a pas accompli quand même. Et il y a des chemins qu'on passe là-dedans, c'est vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. Oui. Joseph pas te connaît, pas qui moyen bon Dieu pour le passer pour t'en mettre le chef. Peut-être il était qu'à penser que c'est dans la communauté, dans la patrie côté lié. Et pourtant, c'est juste en Égypte plan fait pour Joseph capable venir chef. Et les Joseph arrivé en Égypte, frères et sœurs, les rivés comme esclaves, les rivés comme yomoun, aux frères et sœurs qui sans valeur,
Mais nan mi tan tout bagay sa ou parce que c'était yon esclave que le teye. Donc li te la kay Potifar, li tap travay. Mais bon Dieu te campé avec lui. Bon Dieu campé avec lui, tout ça l'a fait marcher. Frères et sœurs, ou un monde qui gen promesse bon Dieu sous la ville là, tout côté le passé le briller. Même si la pleuvé boîte, levé boîte yo tellement rapide, tellement bien. Il toujours un monde qui gon attention pour lui. Pendant la passé mop là, toujours un monde l'Éternel a fait remarquer travail lui parce que gon côté bon Dieu prend là avec lui. Pendant la plave assiette là, pendant la clean, oh côté la clean, gon attention particulière que ou gen pour lui. Pendant la prend soin ti grand moun yo, on attention particulière bon Dieu fait ou gen pour lui parce que son moun bon Dieu a passé dans chemin ça pour faire le river côté le doit river et on saisi moun qui fait gros étude sans réaliser yo pas réaliser il parce que mais bon Dieu avec ou parce que promesse bon Dieu sous la vie ou promesse bon Dieu sous la vie ou moun qui n'a payé il y a longtemps ça ou même ou réaliser yo pas réalisé parce que mes bon Dieu avec eux. Ce fut le cas pour Joseph dans la maison de Potiphar. La parole de Dieu nous dit Joseph, oh bon Dieu t'es avec lui, la prospéré dans toute sa l'a fait. Oh Genèse chapitre 39 verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. La prospérité l'accompagna. Li poko prospéré peut-être pas long, mais tout ça l'a fait béni. Prospérité accompagné li. Tout ça l'a fait béni. Il habitait dans la maison de son maître. Il était encore esclave, mais la prospérité l'accompagna. C'est pas les situations nous changer, prospérité a vinn joine non, maintenant tout ça n'a fait pendant n'a vann surette là, li vann vite. Pendant n'a vann sucre là, pati ma mit là, li vann vite. Parce que nous avons promesse sur la vie, nous. Pendant que nous avons fait taxi moto, nous toujours entrons en kishoy. Bon Dieu, toujours béni nous, toujours jouons grain de monde dans la rue. Pendant que nous avons conduit la camionnette là, toujours jouons grain de monde. Parce que nous côté bon Dieu prend avec nous. Ce n'est pas destination ça. Bon Dieu fait nous réussir la donner. Il montre nous que lié avec nous. Même lorsque la promesse que bon Dieu t'ai fait Joseph la porte quoi accompli. Bon Dieu t'ai toujours montré Joseph que lui avec lui. T'ai montré Joseph que là avec lui parce que tout ça Joseph fait, il a marché la caille Potiphar. La Bible dit nous dans verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Frères et sœurs, comment au monde t'a expliquer que l'Éternel lui avec un esclave. Un esclave. Et à cette époque, esclave là pas de aucune valeur, c'est ton bien meuble que le l'Éternel avec lui, promesse là pour qu'on accompli, l'Éternel pour qu'on mette le niveau pour le mettre là. L'Éternel était avec lui. Le Satan ouais Joseph pour aller vers l'accomplissement de la promesse. Mais elle pétait en zin avec Joseph. Des fois dans la vie, il y a des choses qui arrivent, pas crier sur vous parce que vous faites partie de la route bon Dieu passé avec vous pour arriver à côté de river. Pas crier sur vous, mais bon Dieu gloire. Satan pète un zin sous le dos Joseph. Accuser Joseph que Joseph c'est un violeur que lié. Joseph violé. Fait tentative pour violer Madame Etli et pourtant. La Bible fait nous connaître, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nos versets qui suivent vous. Madame Potiphar, dans verset 7 là, la Bible dit nous, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Madame Potiphar qui mandait Joseph pour coucher avec lui. Mes sœurs, on promet sous gain dans la vie, ou gain côté ou pas patauger la donne, gain péché, gain la boue, ou pas foué corps la donne parce qu'on a grande promesse sous la vie. Ah oui, on a grande promesse sous la vie, ou pas qu'à retarder l'accomplissement de cette promesse et de cette promesse qui vous a été faite, frères et sœurs, il y a l'avenir de toute votre famille, de tous les membres
de votre famille. Avenir en d'un promesse là. Salut en d'un promesse là. Délivrance en d'un promesse là. Élévation en d'un promesse là. Donc promesse là pas faite pour Joseph seulement, mais promesse là faite aussi pour les membres de sa famille qui pourraient bénéficier de promesse là. Donc gardez là pour voir que dans quelle situation Satan voulait mettre Joseph pour non. Pour essayer d'annuler promesse là, pour essayer de retarder l'accomplissement de la promesse. La femme de son patron, Joseph était esclave, mais bon Dieu était avec lui dans toute sa lap entreprendre. Madame a demandé Joseph pour le coucher avec lui, pour Joseph coucher avec lui. Tandis ça, Joseph dit, frères et sœurs, pas oublier non, Joseph a vécu dans un pays étranger. Il n'y a pas de monde sous tête qui a veillé. Non. S'il veut un vagabond, là pour un vagabond dans un pays étranger côté lié. Mais il connaît que bon Dieu avec lui. Malgré le pagain assemblé là, il pagain un sacrificateur sous tête lui, il pagain personne comme leader spirituel, mais Joseph il servit bon Dieu de manière personnelle. Et ou même dans un pays côté lié. Est-ce que vous songez les promesses, mon Dieu, de faire comme on vive? Comme on vive. La Bible nous dit, frères et sœurs, dans le verset 8, toujours Genèse chapitre 39, le verset 8 là, la parole de Dieu dit non. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Joseph dit non, pas font bagaille comme ça. Malgré ça, madame n'a pas quitté Tinek là en repos. Chaque jour son seul causé la parler dans tête. Ti jeune homme Joseph. La Bible dit nous frères et sœurs, il pas fait proposition seule fois non, mais il continuer à nuit la vitigation pour essayer ouais comment la faire perdue. L'accomplissement de la promesse de Dieu sur la vie. Oh, frères et sœurs, verset 10 a dit non. Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Chaque jour il levait. Son persécution, son agent du diable, c'est voyé, Satan voyé, parce que l'Iwel éternel, bon route libre alpha que Joseph. Mais Joseph qui connaît route ça l'éternel pour le faire avec lui. C'est là tout avenir lié, tout avenir familier. Il pas calivré dans l'impudicité, il pas calivré dans vieux péché. La Bible dit nous femmes n'ont persévéré en pile, madame Potiphar persévéré chaque jour la parole seule causé avec ti jeune homme là. Verset 10 là. Genèse chapitre 39. Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa. Joseph refusa. Mais elle prend le fond attentat sur Joseph. Un jour, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit dans le verset 11, un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Joseph courut dehors. L'allée. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit, fuyez l'impudicité. Courir pour péché sexuel. Courir pour lui. C'est ça Joseph fait. Joseph courut quitter radli l'allée. Et belle brèle mettons accusation sous dos Joseph. Mais accusation sale mettez sous dos Joseph là. Fait Joseph prend prison, frères et sœurs. Joseph prend prison pour un bagage qu'il pas connaît. Mais frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de la prière du matin, c'est prison ça qui va mener Joseph vers accomplissement promesse là. Ah oui, les bagages mon fort dans la vie. C'est les cap fort river goto do river. C'est ça qu'il faut pas doux crier. Mais prends courage, prends force sous la donne.
parce que c'est lui qui a fort rivé, c'est lui qui a bon fort son grêle mettez oh dans jardin pour récolte là capable venir plus rapide son pont là pour traverser pour river côté où doit river à son opportunité son occasion que le barreau c'est pour saisir lui. Joseph te prend tout avec courage. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, mes auditeurs de la prière du matin. Gardez tout le monde ça yo. Avant promesse d'accomplir dans la vie, tout problème yo connaît. Mais pendant y a temps d'accomplissement promesse ça yo pas péché contre bon Dieu. Yo toujours kembe la foi dans bon Dieu. Gardez comment Joseph, il connaît bon Dieu fait une promesse. Il connaît bon Dieu avec lui. Il pas qu'à faire n'importe bagaille. Oh, le camper pour la gloire de Dieu, le prendre défense l'Éternel, le préserver pied ou yo de route qui pas bon yo. Lorsque on connaît son serviteur de Dieu, malgré on pays mon pas connaît, mon pas qu'on a fait, mon pas décidé entrer dans concubinage, ou pas décidé la vie dans toute vie la boue, ou pas décidé mener la vie ou n'importe comment. Mais on décide de servir bon Dieu. Bon Dieu prend note de ça. Et dans le pays, ça, bon Dieu va bas ou élévation. Mais malheureusement, quand pile dans nous fait bon Dieu honte. Parce que nous avons fait l'évangile pour le monde. Nous avons changé de zone. Nous avons changé de type de monde que nous avons. Parce que c'est pour le monde que nous avons vivre. Et pourtant, Dieu, bon Dieu, toujours garder nous. Il est toujours garder nous, même si nous changeons de zone, nous changeons de state, nous changeons de pays. L'Éternel ne change pas. L'Éternel, c'est pas là en Haïti là avec vous, c'est pas là au Chili là avec vous, c'est pas là où t'es Mexique là non, c'est pas là où t'es Santo Domingo ah non, il était avec vous, mais il était avec vous dans tout côté où passer dans tout chemin et il continue à voir les yeux sur tout côté où passer et ça faut d'où gain crainte pour lui. Joseph t'es réalisé que bon Dieu pas avec lui seulement lorsque il t'est caille papa lui. Bon Dieu que t'es bal songe, bon Dieu que t'es bal rêve, c'est pas seulement dans milieu et côté le théia. Bon Dieu ça était là avec lui seulement là. Non. Mais le Seigneur était avec lui aussi lorsqu'il était esclave chez Potiphar. Bon Dieu était avec lui. Tout ça l'a fait et marché. Tout ça l'a mené, il prospérer la donner, il fait le bien parce que gon côté bon Dieu pour aller avec lui. Bon route, bon Dieu pral fait pour lui. Bon Dieu fait promesse là. Avant accomplissement promesse là, Joseph connaît pile moment difficile. Mais yon pas de empêcher Joseph rivé côté il t'est doit rivé. Yon pas de empêcher ça non, frères et sœurs. Bon Dieu fait route avec Joseph. L'Éternel levé Joseph bien haut. Côté peut-être frères et sœurs. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, parents lio, frères lio, pas de penser que la briver. Un courage dans la vie. Parce qu'on pas qu'on coûte bon Dieu pour aller avec vous. Je dis à bagaille qui est très difficile pour vous. Mais demain, on pas qu'on comment la vie à pied pour vous. Et chaque fois, on pas qu'on doit faire tête au mal. Ni entrer dans des séries de bagaille qu'on regrette demain. Mais d'accord. D'accord, ton bon Dieu, d'accord. Route bon Dieu décide de passer avec vous pour fort arriver. Côté où doit arriver à. Parce qu'un jour, il va vous chercher. Un jour, non, on va monter dans l'esprit au monde pour le relayer. Et c'est ça qui veut dans Genèse 41. Pharaon voyait relayer Joseph dans verset 14 là. Pharaon fit appeler Joseph. Pour mettre Joseph dehors en prison. Joseph prend prison. Frères et sœurs, leur prend prison dans un pays qui pas pays pas. D'ailleurs, l'immigré n'a aucun droit. Oui, l'immigré n'a aucun droit, même sous tendez un droit international tout et tout. L'immigré n'a aucun droit, il traité, il maltraité. Mais malgré toute bagaille ça yo, Joseph te gain bon Dieu seulement, pas gain personne. D'ailleurs, pas gain cousin, pas gain cousine, pas gain personne monde que le connaît dans pays là. Elle prend prison dans un pays qui pas pays pal pour un bagage que le pas connaît. Miracle de l'Éternel seulement pour mettre le dehors. Miracle de l'Éternel. La Bible dit nous dans Genèse 41
Pharaon fit appeler Joseph dans le verset 14. Pharaon voulait les Joseph. Oh, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, quand il y a une situation qu'on a envie, on t'a demandé est-ce que un jour a sorti la donne. Oui, un jour a sorti la donne, oui. Un jour a tourné page là. Même si ou bagaille duré, mais puis on perd du espoir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Pas qu'on ait pour qui mon matin parole ça y est. On besoin prend courage parce qu'on promesse sur la vie. Pas garder soit traverser yo. Mais regardez bon Dieu qui est avec vous. Regardez miracle bon Dieu, ou sortir ou entrer. Regardez comment Seigneur accompagne yo malgré une situation difficile, mais bon Dieu toujours avec vous. Joseph était esclave chez Potiphar, mais l'Éternel était avec lui. Pendant que l'Éternel n'était pas avec Potiphar, mais il était avec Joseph l'esclave. Des moments qu'on est en vie au bon Dieu, d'accord qu'on est, c'est eux qui ont fait arriver, qu'on doit arriver. D'abord, il y a des problèmes pour eux. Si l'Éternel était capable avec Joseph dans l'esclavage, dans la servitude que le tayait, l'Éternel était avec lui. C'est pour qu'on est, même si ou dans la situation qu'on est, bon Dieu avec eux. C'est ça qui est bien important. Et un jour, on sorti la dernière. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de la prière du matin. Oh, bon Dieu pourrait permettre que promesse l'accomplie dans la vie de Joseph. Promesse d'après l'accomplie. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, qui fait promesse là, les fidèles pour l'accomplir. Oh, la Genèse 42, bon Dieu pourrait permettre que ça Joseph te ouen un songe dans Genèse chapitre 37 là, pour l'accomplir, oui. Songe Joseph te fait, ah oui, frère lui te raille là, oui, il pourrait l'accomplir. Oui, songe Jean pourrait l'accomplir. Promesse, il pourrait l'accomplir pour Joseph. L'Éternel est grand, très digne de louange. Oh, bien-aimés frères et sœurs, les moments qu'on est en vie, oh. Ce qu'on est, c'est là, bon Dieu, t'a privé avec, oh. Les problèmes, t'es qu'on baille tête, oh. Il y a plusieurs jours, t'es qu'on a crié. Ce qu'on est, c'est comme ça, bon Dieu, t'a pralé, à niveau ça, avec, oh. Pourquoi t'as crié, non? Non, t'as baille, bon Dieu, louange. Et on connaît, c'est toujours plus devant nous comprendre, pour qui. Donc dans Genèse 42, bon Dieu permet que frère Joseph Yopral descende en Égypte pour que accomplissement promesse là capable faite. Parce que une promesse qui était faite dans Genèse 37 qui doit accomplir. Joseph yo pensait yo pas besoin, on te voyait jeter, yo pensait que mourir en tout fini. L'Éternel pral montrer que c'est Joseph ça qui pral en position pour aider yo. Et dans Genèse, chapitre 50, là, dans verset 18, là, exactement, frères et sœurs, Jean-Bon Dieu t'a montré Joseph, là, eh bien, frère, lui, vin mette à chenou dans pied. La Bible dit non, Genèse, chapitre 50, verset 18, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes serviteurs. Pas oublier non, frères et sœurs, promesse t'a été faite déjà, oui. Promesse t'a été faite dans Genèse, chapitre 37. Côté que Joseph t'a ouais en songe que frère Lio, promesse bon Dieu t'a fait, que frère Lio yon jour gagné pour yon prosterner. Yon jour yon gagné pour yon prosterner dans pied li. C'est ça l'Éternel t'a dit Joseph, ça l'a montré Joseph. À partir du verset 5, Genèse 37, commencer dans verset 5 pour arriver jusqu'au verset 8. Frères et sœurs, ça y est pas de vléa, bon Dieu fait y aurait. Dans Genèse, chapitre 50, commencer dans verset 18 là, l'Éternel fait y prosterner, Jacques te fait promesse là. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement
l'espérance, la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux chapitre 10, verset 23. Nous prenons la prière ensemble matin. Gloire à Dieu. Nous pourrons aller prier matin, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, mes auditeurs, de la prière du matin. Nous connaissons Sila qui fait promesse là. Les fidèles, les païens, hommes pour le bain menti, ni un petit l'homme pour le repentir de saleté dit. C'est ça la parole de Dieu dit nous, dans Nombre 23. Bon Dieu, les païens, homme pour le bain menti. Saleté dit avec bouche, les mains l'a pas accompli. Oui, bon Dieu, pas un homme pour le bain menti. Dans verset 19, la norme 23, verset 19. Seigneur, nous, on ne peut pas nous mentir. On allait dans la prière nos matins. On courage. Tant de bon Dieu, parce qu'on joue la caille. On a temps pour le faire sale, pour le faire. On a un jour pour le sécher de l'eau dans les yeux. On a un jour pour le montrer que c'est le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas personne qui l'a demandé. Conseil et personne ne peut opposer à ce que ça l'a fait dans la vie. À nous la prière, le Seigneur. Une prière pour prendre force. Une prière pour continuer à espérer dans bon Dieu. Une prière pour dire bon Dieu merci pour tout parcours que tu as fait dans la vie. Mais il n'y a pas de camp pécho arrivé quand tu arrives aujourd'hui. Il faut dire bon Dieu merci pour ça, oui. Parce que les gens dans la mauvaise route, ils ont tué tête. Il y a des gens dans la mauvaise route, ils ont perdu la vie parce qu'ils ont pris une mauvaise décision. Mais eux-mêmes, dans la mauvaise route, dans la mauvaise pas, dans la mauvaise temps. Bon Dieu était toujours fort grâce, malgré pas de camacher, malgré tes faibles. Parce que tu as chanté, il dit parfois, chemin en glissant, il n'y a pas qui est difficile. Parfois, moins faible, moins bouqué, épreuve, moins pas facile. Mais bon Dieu était bonne force, il était bon courage pour continuer à avancer. Seigneur Dieu de toute la terre, Créateur de l'univers, Créateur de toutes choses, nous bas aux gloires que vous-même seul méritez. Bon Dieu Abraham, Isaac, Jacob là. Bon Dieu qui fait miracle, qui fait des choses extraordinaires. Bon Dieu qui levait des filles, l'Éternel, qui fait des choses extraordinaires pour la vie nous. L'Éternel qui campait pour nous dans moments difficiles. L'Éternel, bon Dieu vivant nous, bon Dieu capable nous, bon Dieu qui sans pareil nous, bon Dieu qui fait prodige là, bon Dieu que rien pas impossible pour lui, bon Dieu qui prend monde de la poussière, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent, il fait le chita avec les grands de ton peuple. Nous bas aux gloires que vous-même seul méritez, matin. Nous disons merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour que vous te prenez nous. Merci, bon Dieu, pour façon conduire nous, pour façon ou lever nous dans la communauté côté nous y est, bon Dieu. Merci, l'Éternel, notre Dieu, pour toute route qu'on parcourt avec nous. Merci, l'Éternel, notre Dieu, parce que vous êtes toujours là pour nous. Même Jean, vous êtes avec Joseph. Lorsque Joseph était esclave, la caille Potiphar, mais bras puissant et avec l'Éternel, bon Dieu vivant. Il était esclave, mais bon Dieu, grâce où t'es accompagné, prospérité où t'es accompagné, bon Dieu. Malgré Joseph, bon Dieu, ô Père très saint, t'es dans position de subalterne, l'Éternel, mais bon Dieu, grâce où t'es avec lui. Ô Seigneur, matin, on a dit merci parce que bon Dieu, tout ça nous connaît dans la vie, nous, ça nous traverse comme moment difficile, bon Dieu. Des épreuves amères que nous te connaissons dans la vie, nous, bon Dieu.
Mais Seigneur, youn pat pote nou ale parce que ou t'es toujours là pour nous, bon Dieu, ou ban nou la vie, ou protéger nous, ou fait nous grâce. Et c'est ça matin, bon Dieu, qui permet que nous vivons, nous respirons toujours, nous avons grandeur, nous avons gloire, bon Dieu. Comment t'as fait par vous, messieurs? Comment t'as fait par dire merci, l'Éternel, notre Dieu? Comment t'as fait par danser devant, Seigneur? Comment t'as fait par faire action de grâce pour l'ensonger côté n'teye, l'ensonger côté te prano, bon Dieu? Matin, nous pas capable à ou gloire, bon Dieu. Matin, nous pas capable à louer, l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, crasez ses cœurs pour maison la caille, non. Ou crasez ses cœurs pour petite, non. Ou levez camper, ou faites de grandes choses pour nous, l'Éternel, notre berger. Ou levez, bon Dieu, ou faites route dans le temps vent pour nous. Ou tracez chemin, bon Dieu, côté nous pas d'argent espérer. Ou faites de grandes choses pour la vie, non. Ô Saint d'Israël, Dieu de toute la terre. Merci en pile parce que c'est bon Dieu, non? Merci en pile parce que Seigneur, dans nos moments difficiles, ou venez bon côté nous, dans nos temps de maladie, de souffrance, ou venez bon côté nous, dans nos temps d'adversité, l'Éternel, notre Dieu, ou pas abandonné nous, mais tu es toujours avec nous. Seigneur, matin, nous comprendre comment il est important pour ne pas garder cheminement, yo. Qu'on a passé pour faire nous arriver côté nous doit arriver à bon Dieu. Oh Seigneur, pour nous pas garder, Seigneur, peut-être ça n'a pas connu aujourd'hui, Seigneur, pour nous dire, mais côté nous doit passer pour nous arriver, côté nous doit arriver dans la position élevée à. Parce que petit job ça n'a pas fait à l'Éternel, notre Dieu. Pas un grand projet qu'a fait sous lui, sous tirer rentrer ça, petit salaire ça. Mais bon Dieu, miracle est toujours extraordinaire. Oh, Genano, bon Dieu, vous commencez bien bas avec nous, Seigneur, pour qu'à faire nous arriver bien haut. Vous gagnez retour dans la vie, nous, Seigneur. Selon budget, nous, l'Éternel, notre Dieu, nous parlons comment nous posséder un caille dans le pays, ça, bon Dieu. Selon revenu, nous, l'Éternel, notre Dieu, nous parlons côté nous passer pour nous posséder un caille dans le pays, ça. Mais rien n'est impossible à toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Et de la poussière, tu retires le pauvre. Du fumier, tu relèves l'indigent. Vous mettez le chita avec les grands. Pas rien qui est impossible pour vous. Celle qui était stérile, l'enfantée, et au bali, aux maisons. Rien pas impossible pour Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. C'est ça que fait matin, nous prenons courage, bon Dieu, parce que nous connaissons, ou pas un homme pour bâiller maintenant. Ni un petit nom pour repentir de ça qu'on t'a dit. C'est ça la parole où dit nous dans Nombre chapitre 23 verset 19. Promesse ou le certain et véritable, bon Dieu. Dans Hébreu chapitre 10, là, l'Éternel, notre Dieu, ou fait nous connaître, Seigneur, ou fait promesse là, ou fidèle. Nous devons qu'aimer espérance là. Nous devons faire confiance, bon Dieu, ou qu'on joue pour agir pour nous, bon Dieu. Oh, fais-nous grâce pour cheminement, ou pas fais-nous peur. Pour cheminement, ou pas fais-nous décourager l'Éternel, notre Dieu. Mais, Seigneur, pour nous connaître à privé. Et nous-mêmes, matin, ou te fait une promesse, bon Dieu. Nous-mêmes qui pourrons capables d'enfanter, mon fais-nous promesse pour nos petites, l'Éternel, notre Dieu. Même si l'âge n'a pas avancé, fais-nous grâce pour nous garder espoir. Fais-nous grâce, l'Éternel, notre Dieu, pour nous garder espoir. Fais-nous grâce, l'Éternel, notre Dieu, pour nous garder espoir. Seigneur, bon Dieu fidèle là, bon Dieu capable là, bon Dieu réel là, bon Dieu vivant, bon Dieu tout-puissant, ou pas changé, ou toujours le même. Ou c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, ou pas changé, non, Seigneur, toujours le même. Ou toujours le même. Ou pas changer, non. L'Éternel, notre Dieu, Saint d'Israël, immortel, invisible. Ou toujours le même. Ma pando, t'en prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bon Dieu Abraham, Isaac, Jacob là. Bon Dieu fidèle là. Bon Dieu qui est tout puissant.
m'a pendu au temps prie dans le nom de Jésus-Christ, ou même qui bail la délivrance, ou même qui bail la délivrance, ou même qui sauve. Pas rien qui est impossible pour. Pas rien qui est impossible pour. Fais-nous grâce pour nous suspendre, crier. Séchez de l'eau dans les yeux, nous, bon Dieu. Parce que toi qui as fait la promesse, tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Séchez de l'eau dans les yeux, nous. Fais-nous grâce pour nous suspendre, inquiéter, nous. Autant fixer, bon Dieu, ou affaire. Autant fixer l'éternel, notre Dieu, ou affaire. Seigneur, ça a raté tant nous longtemps. Au point même que te arrivons côté le décourager. Elisabeth était en nous longtemps au point que bon Dieu le arrivons côté lui même avec Marie et Zacharie dans Luc chapitre 1er. Il y a pas gain espoir petit encore. Mais bon Dieu au t'es songé, bon temps t'es fixé pour exaucer prière ça. L'Éternel notre Dieu Saint d'Israël, puisque c'est ou même seul nous gagnons. Ou c'est prospérité nous, ou c'est victoire nous, c'est délivrance nous, c'est toute bagaille pour nous. Aidez-nous pour espérance nous pas perdu. Aidez-nous pour espérance nous pas faibli dans où. Mais fortifiez-nous chaque jour, bon Dieu, pour nous connaître, Seigneur, même si aujourd'hui nous pas travail, même si aujourd'hui à l'Éternel notre Dieu bagaille difficile pour nous. Mais un jour nous mettons tempête. Et un jour, dans ta famille, on va permettre que nous gagnions la prospérité. Et un jour, dans mes temps, oh Seigneur, tout problème, ça y est, on va faire nouer grandeur, bon Dieu. On te fait retirer Joseph dans la prison, côté le théier à bon Dieu, parce que l'air a dérivé pour promesse soit accomplie dans la ville. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Israël, bon Dieu qui bat la vie, hein? Bon Dieu qui sauve, hein? Bon Dieu qui délivre. Hein? T'en prie, dans le nom de Jésus-Christ, Père. Dans tes prières, nos matins, fortifiez-nous, Seigneur. Fortifiez-nous. Fais-nous tant d'accomplissements, promesses, là. Fais-nous pas plaigner, bon Dieu. Fais-nous grâce pour ne pas douter. Fais-nous grâce pour ne pas casser tête tournée, bon Dieu. Dans le monde encore, parce que Seigneur, bagayo, difficile pour nous. Même Jean-Abraham, t'es qu'à casser tête tout net. Mais bon Dieu, c'est où t'es relégué. Il te prend engagement, il te prend net. Pardonnez-nous chaque bon Dieu qui faiblit sur route là. Nous chaque qui doutait, qui prend en mauvaise direction avec la vie, non. Fais-nous grâce pour nous retourner dans Bejria. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Ces prières nous devons, Père. Amen.
seulement papa c'est amis.